Vous voulez transformer un désert en une plaine fertile. Que faut-il faire? Laissez couler l'eau, tout simplement. Et chaque chose va trouver sa place. Les plantes, les insectes, les oiseaux, les animaux, les humains. L'eau, c'est la vie qui circule. Alors laissez couler l'eau, la vie. Et ne vous occupez pas de savoir quels seront les arbres qui viendront fleurir et les oiseaux qui viendront chanter dans ces arbres. Quelqu'un dira, mais moi, je veux tout d'abord savoir quelle sera la place de cette herbe ou de cet oiseau et sur quelle branche il ira chanter. Oh là 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 là, si on attend de savoir tous ces détails, avant de se décider à laisser couler l'eau, des siècles passeront et aucune fleur ne poussera. Aucun oiseau ne chantera. Laissez donc couler l'eau. Vous verrez à ce moment-là comment tout trouvera sa place. Tout chantera, tout fleurira. Ce sera le royaume de Dieu. Et laisser couler l'eau, cela signifie ne jamais cesser d'aimer. Même si les humains vous font du mal, ne cessez jamais de les aimer. Sinon, votre source va se tarir et vous deviendrez un désert. Et continueront tranquillement à vivre, tandis que vous, vous péricliterez.